Bonjour à tous, me revoici avec un tutoriel de coiffure inspiré par Ayumi Hamasaki, qui est une chanteuse japonaise, et dans son clip Is This Love, comme vous pouvez voir sur cette photo. Mon maquillage sera basé sur la mode japonaise des Onigiru. Pour le matériel, rien de plus simple. Vous prenez des petites élastiques, des pinces pour attacher vos cheveux, le fer à lisser, le sèche-cheveux, la brosse ronde, des peignes pour le crépage. Avant toute coiffure, pensez bien à brosser vos cheveux. Pour le principe, normalement, vous attachez votre masse de chevelure en deux parties. Là, comme j'ai un effilé, je vais le faire en trois parties. Sachant que la masse du dessus servira pour les mèches tressées et les mèches ondulées. La partie du dessous va donc servir aux mèches tressées et lissées. Donc là, rien de plus simple, vous faites une tresse. Puis on lisse une autre. Bien sûr, vous aurez compris le principe. On laisse une mèche sur deux et on tresse une mèche sur deux, tout simplement. J'utilise des élastiques noirs pour décorer ma mèche tressée. Bien évidemment, je les prends noirs parce que j'ai les cheveux clairs. Mais si vous avez les cheveux foncés, vous pouvez utiliser soit des couleurs très claires, soit carrément utiliser des perles à clipser, qui rend une plus jolie décoration. Donc voilà ce que vous obtenez grosso modo. Sans oublier qu'avant de passer à la coiffure, je n'ai pas fait de brushing ni de lissage. Donc comme là vous voyez, je passe un petit coup de fer à lisser au bout des mèches pour pouvoir discipliner les mèches rebelles et les frisottis. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je n'ai pas broché ou fait un lissage de mes cheveux avant la coiffure. Tout simplement parce que la coiffure prend énormément de temps, à savoir pour moi 40 minutes, ce qui est énorme. Et donc forcément, si j'aurais fait un lissage ou un brushing, cela m'aurait pris beaucoup plus de temps, et chose que je n'ai pas forcément et que vous n'avez pas forcément. Donc comme vous pouvez voir, je commence déjà à fatiguer. Le plus embêtant dans cette coupe, c'est de faire les tresses. Parce que vu qu'elles sont mini, cela prend énormément de temps, alors qu'au final, la coiffure est très simple à faire. Vous faites de même de l'autre côté. Bon, là c'est trop long et je commence vraiment à saturer. Je me dis que je vais faire ma feignante, je vais aller m'allonger sur le clic-clac et regarder la télé, mais bon, allez, c'est pour la bonne cause. J'ai cassé mon ongle. Mais enfin, tout le monde s'en fout.
Voilà pour le bas, on peut attaquer au-dessus. Alors là, je profite pour faire un petit clin d'œil à Naïs, te faire plein de bisous et donc parler de ta méthode d'ondulation de cheveux. Parce que grâce à sa vidéo, j'ai pu apprendre une nouvelle technique. Donc vous pouvez la voir sur sa chaîne Anaïs Coiffure, tout attaché et comme ça se prononce, par contre sans le tréma sur le i. Alors je vous recommande fortement d'aller voir sa vidéo, parce qu'honnêtement, j'ai pas du tout la main et donc les vagues ne sont pas vraiment très très belles. Donc pour mieux apprécier et comprendre la technique, allez voir sa vidéo sur YouTube. Bon, je vous montre quand même. Le principe étant de faire glisser le fer à lisser tout le long de la mèche et en effectuant des demi-rotations. Et donc à chaque fois dans le sens inverse. Bon, vous voyez, ma mèche elle n'est pas terrible, mais ça passe mieux quand je sépare ma mèche ondulée en deux. Voilà. Bon, ici je vais vous remontrer. Manque de bol sur l'autre côté de ma chevelure, j'ai très très bien réussi les vagues. Par contre, je n'ai pas filmé et donc forcément, vous ne verrez rien. Je me dis que j'ai peut-être le temps de vous chanter une petite chanson, mais vaut mieux pas, parce qu'avec ma super voix de crécelle, je risque de bousiller vos oreilles. Donc voici un petit aperçu de ce que vous allez obtenir. Et quelques minutes plus tard, tadam! Voilà ce que vous obtenez sur le bas de votre chevelure. Donc pour le dessus, soit vous laissez la banane parce que je trouve que ça rend très très bien. Mais bon, à la base, le modèle étant Ayumi Hamasaki, il faut que j'obtienne le volume qu'elle a au-dessus de la chevelure. Pour cela, je vais utiliser un peigne dont les dents sont serrées entre elles. Cela va permettre de faciliter le crépage. Alors bien penser à créper à la base des cheveux. Par contre, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport au crépage. J'ai beaucoup entendu dire que cela provoquait des nœuds, qu'il était impossible de passer la main dans les cheveux. Donc, chose qui est fausse à condition d'y aller mollo. Donc moi, je sais que ça fait des années que je me crêpe les cheveux et j'ai jamais eu de soucis. Donc après, par contre, c'est sûr que si vous vous déchaînez avec le peigne sur vos cheveux, là, à coup sûr, vous vous chopez. Donc des nœuds et impossible donc de passer la main dans votre chevelure. Donc si vraiment cela vous effraie, vous pouvez utiliser la méthode des bigoudis pour obtenir du volume. Donc je le montrerai dans un prochain tuto. Surtout, n'oubliez pas donc les pointes de votre effilé du dessus de la chevelure. Très important pour pouvoir harmoniser la coiffure du dessus avec celle du dessous. Donc, vous pouvez choisir l'option de rebiquer à l'extérieur vos pointes, comme là je le fais. Mais ça, je le fais que pour le devant des cheveux. Sinon, derrière, en fait, j'ai fait quelques petites boucles. Voilà. Tadam! Voilà! Terminé. Après un dur et long labeur, voici le résultat. Et j'espère qu'il vous plaît. Merci infiniment d'avoir suivi le tuto. Bisous. Oups, j'allais oublier le maquillage.
Donc, comme je vous le disais, je me suis inspirée de la mode Gyaru. Donc, le maquillage est concentré au contour de l'œil. Donc, là, j'ai tracé de gros traits eyeliner. Ensuite, j'ai appliqué des faux cils et des lentilles green. Cette fois-ci, je vous ferai vraiment des gros bisous et encore merci d'avoir suivi le tuto. Bye!